Les Sorbonnards sont férus des sources, ces regroupements saugrenus qui prétendent expliquer la création littéraire. Eh bien, la bringue, la dèche, les dettes, le garni, les mauvaises fréquentations, les déménagements à la cloche de bois, les obsessions sexuelles, la drogue, le bordel, le perno, la pédale, voilà quelques sources authentiques de la poésie. Et j'en suis bien fâché de la poésie la plus grande, celle qui accède à l'inconnu, l'incantation, l'illumination du voyant, le radium inépuisable. Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans les clochards célestes de Radio Campus. Ce soir, nous recevons Nicolas Destiendorf, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je serai entouré pour cette émission de deux chroniqueurs. Tout d'abord, son Altesse Royale Stanislas Parvulescu. Ravi d'être parmi vous. Vous êtes prince de Patagonie. On en a déjà parlé. Voilà, ce soir, vous ne serez qu'un petit chroniqueur. Nours Antoine, tu es Antoine Benasseraf, tu es étudiant à Sciences Po. Mais tout à fait, bonsoir, chers auditeurs. Alors, Nicolas Destiendorf, vous êtes écrivain, vous êtes critique musical au Figaro, à Classica. Votre dernier ouvrage paru dont on va parler ce soir, c'est Marthe ou les beaux mensonges. Et alors, on va essayer de découvrir un peu d'avoir qui vous êtes pour nos jeunes auditeurs. D'abord, vous faites marcher le commerce de pantalons en velours rose ou vert pomme depuis 20 ans, non ? C'est votre spécialité. Alors, les auditeurs peuvent pas le voir. Là, je suis en pantalon bleu, ce qui pour moi est d'une, à la fois d'une audace et d'une neutralité absolue. Très déçu. Oui, non, c'est que je pratique la couleur. Je pars du principe, et je ne sais pas vous que je vais donner des leçons, quoique les couleurs existantes, autant en profiter. La vie est tellement grise et tellement, disons, tristement binaire ou bicolore. Voilà, ayons l'audace d'être arc-en-ciel sans forcément que ce soit un parti pris idéologique. Parce que ça peut être un parti pris idéologique de mettre des pantalons roses. Pourquoi pas, de toute façon, voilà, c'est juste le plaisir des tons qui tranchent et des tons qui jurent. Alors, vous êtes un peu depuis l'âge de 5 ans, finalement, un type qui a 90 ans dans sa tête, non ? Oui, c'est ce que je dis toujours. D'ailleurs, un jour, petit à petit, depuis que je suis petit, un jour, je vais rattraper l'âge que j'ai dans ma tête depuis le début. Absolument. D'ailleurs, quand on a reçu des types de 80 ans, genre François Gibault et tout, ils nous disent tous « Oh, j'ai 20 ans dans ma tête, moi !» Vous direz ça aussi à 80 ans ? Non, je dirais « J'ai enfin mon âge. » Ah, d'accord. Alors, ce soir, on va parler de Marthe Richard, on en parlera plus après, qui était une femme que de paradoxe, puisqu'elle a été collabo et résistante, ancienne pute, et en même temps, elle a fermé les maisons closes. Mais vous aussi, vous êtes très paradoxal, puisque, bon, on se répète, mais vous êtes le petit-neveu du immense résistant Honoré Destiendorf, et en même temps, le légataire universel de Lucien Abatté, qui était un écrivain collaborationniste. Mais comment un petit étudiant en maîtrise de musique qui fait un petit truc à la Sorbonne se retrouve l'héritier du plus fabuleux des écrivains collabos? Alors, fabuleux, déjà, oui, l'épithète est intéressant. Non, en l'occurrence, je préparais un mémoire de maîtrise, on appelait ça une maîtrise encore à l'époque, en littérature comparée avec Pierre Brunel sur le rapport de Lucien Rabaté et la musique. C'était la littérature, c'était pas de la musicologie. Et parce que j'avais une passion pour son histoire de la musique que j'ai découvert quand j'étais étudiant, quand j'étais même lycéen. Pour moi, ça correspondait exactement à ma sensibilité musicale, c'est-à-dire que j'étais très wagnérien, à l'époque très boulésien. J'ai eu l'impression de voir formuler avec intelligence et justesse et brio ce que je ressentais pendant les concerts. Et donc j'ai découvert cet écrivain. Et puis ensuite j'ai été voir ce qu'il avait fait d'autre. Et j'ai découvert et les deux étendards et les décombres. Et je me suis dit, waouh, voilà un personnage intéressant, voilà un personnage paradoxal. Mmh. Et quand il a fallu que je choisisse un thème de mémoire, je me suis dit, je vais faire Rebatté. Ça n'avait quasiment jamais été fait. Et Pierre Brunel, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'amitié et de respect que je vois parfois, m'a soutenu. Et j'ai même fait donc un mémoire de maîtrise. Puis j'étais jusqu'en DEA. Et à cette occasion-là, je suis rentré en contact avec l'ayant droit de Rebatté pour voir un peu ce qu'il existait, parce qu'il n'y a quasiment aucun travail qui ont été fait. Il s'appelait Pierre Darrigan, qui était en fait l'héritier de la veuve de Rebatté. Rebatté est mort en 72. Véronique. Sa Véronique, elle est morte en 88, et voilà. Roumaine. Et puis ce monsieur, Pierre Darrigan, dont je suis devenu très proche, en fait, est mort en quelques mois d'un cancer et m'a demandé de prendre sa succession, ce qui était uniquement pour Rebatté, ce qui était assez compliqué, surtout quand on commence dans la littérature, si je puis, en tout cas dans les lettres, et qu'on est journaliste, qu'on a 25 ou 26 ans, c'est
C'est à la fois un honneur et en même temps un piège, mais j'ai accepté, bien entendu. Mais d'ailleurs, il l'a fait aussi un peu parce que vous étiez le petit neveu d'Estienne d'Orve, et comme ça, il n'y avait aucun doute sur votre bonne foi et votre... Absolument, aucune ambiguïté. Il y a beaucoup de gens tournaient autour, enfin beaucoup de gens, différentes personnes tournaient autour de lui, et il voulait quelqu'un qui fût totalement apolitique ou dépolitisé, avec en plus un nom inattaquable. Et c'est vrai que je suis totalement apolitique, enfin en tout cas, voilà, je me méfie. On a vu avec Rebattet dans que le virus peut être extrêmement dangereux. Je me méfie de tout engagement, donc je suis quelqu'un d'extrêmement sceptique. Mmh. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment un auteur littéraire dont je suis l'ayant droit. Mais en même temps, on ne peut pas passer à côté de son parcours politique. Bien sûr. Et c'est un être totalement paradoxal qui, humainement, a fait des choses impardonnables, pour ne pas dire atroces, et en même temps, qui a écrit certaines des plus belles pages du XXe siècle français. Les deux étendards qui ont été écrits en prison et sortis en 58, je crois. 51-52. Ce qui le rend presque apolitique, c'est cet amour fou du fanatisme qui s'applique à toutes les politiques, quelles qu'elles soient, chez Rebattet. Tout fanatisme est bon pour lui. Absolument. Non, et puis je dirais, il a sauté dans l'antisémitisme, tout comme ensuite il a sauté dans la collaboration. Voilà, c'était un. Là, on va pas creuser. Alors, il est symptomatique d'un certain esprit petit bourgeois provincial français qui arrive à Paris et qui ensuite est une sorte d'éponge de tous les soubresauts politico-intellectuels des années 30. Et qui ne sait pas forcément faire le tri et qui en même temps absorbe d'une façon assez lumineuse tout ce qui est artistique, mais est d'une façon redoutable tout ce qui est politique. Alors on va continuer le portrait. Vous aimez à la fois Offenbach et Didier Super. Oui, absolument. On va passer de Rebattet à Didier Super. Vous aimez Didier Super? Je l'écoute moins maintenant, mais j'ai eu une passion pour Didier Super j'ai été le voir en concert plusieurs fois. Oui. C'est une des choses qui m'a fait le plus rire à une époque. Quand j'étais chroniqueur dans l'émission de mon ami Benoît Duterte, que vous avez reçu, à chaque fois j'apportais des incongruités musicales, notamment les chansons de Didier Super. Et vous aimez quoi? Ah, les gens qui bossent. Oui, il y en a des biens. Chansons très fin de race d'ailleurs. Oui. Moi, c'est l'esprit. Potage. Moi, j'ai toujours aimé l'esprit bété méchant, l'esprit harakiri, l'esprit un peu, scatologique et agressif de l'humour années 70, dont il est en fait un héritier. Et vous aimez l'andouillette? J'aime l'andouillette, absolument. J'aime les abats d'une manière générale. Carlos et Jean-Yann aussi, du coup, sans doute. Ah bah évidemment, j'ai moins de fascination pour Carlos que pour Jean-Yann, mais Jean-Yann, j'ai un immense respect pour le personnage, pour ses films, pour tout ce qu'il était, pour tout ce qu'il a laissé, pour le comédien qui était admirable, que ce soit dans des rôles dramatiques ou des rôles comiques. Et j'ai eu la chance de l'interviewer à la toute fin de sa vie pour Le Figaro une fois, et j'ai passé 3 heures absolument passionnantes. En fait, on a vite évacué l'interview, et puis je l'ai fait parler de l'époque où il a été producteur. C'est quand même lui qui a produit des films de Bresson. Enfin, il a un parcours extraordinaire. Est-ce que votre lien, votre goût pour les abats, a un lien avec votre goût pour Sagawa, le dépeceur japonais? Oui, sans doute. En fait, je n'ai pas du tout le fantasme cannibale, mais c'est, pour moi, c'est une posture littéraire intéressante et c'est un tabou qui me fascine. J'aime les tabous ultimes, comme le cannibalisme, l'inceste, les enfants assassins sont des thèmes qui m'obsèdent depuis toujours. C'est un thème que j'aime développer dans la littérature. Mais sinon, dans la vie, je suis quelqu'un d'extrêmement équilibré, pas du tout un assassin rentré. Mais j'aime les abats, j'aime la viande. Je suis un gourmand et gastronome totalement obsessionnel. Donc, vous pourrez obtenir à peu près tout de moi dès l'instant que vous m'offrez un bon repas. D'ailleurs, Sagawa, après avoir mangé sa copine, avait même fait de la pub pour des restos de viande ou avait écrit des best-sellers au Japon disant j'ai bien mangé, continue-moi de me faire manger. Il a eu la chance de tomber dans un vide juridique où en fait il a été jugé pour un crime atroce, mais il a été considéré comme fou en France, et donc on l'a mis au lieu de le mettre en prison éternellement, on l'a mis dans une institution médicale, et sa famille et l'avocat de sa famille, qui sont des gens très puissants au Japon, ont réussi à le faire rapatrier dans son pays d'origine sous prétexte que l'État français n'allait pas payer pour un criminel de ressortissant étranger. Et donc, il a été au Japon. Et là, il a passé 2 ans de plus dans une institution. Et puis ensuite, ses parents sont débrouillés pour le faire libérer. Ce qui fait qu'en fait, il a passé que 4 ou 5 ans en tôle. Ils ont retrouvé un corps légèrement découpé peu de temps après sa libération, non loin de chez lui, mais sans jamais l'assimiler à lui. Mais ils ont retrouvé un autre corps. Oui. C'est vérifié, ça, ou c'est une... C'est, non, mais c'est pas vérifié que c'est lui. Mais en tout cas, c'est vérifié qu'ils ont retrouvé un corps un peu abîmé, non loin de chez lui, au Japon. Alors, vous dites que vous aimez le thé de 5 heures, les coussins moelleux, les couleurs chaudes, les abat-jours à pompons, les rideaux à embrasse, les chats assoupis sur les bergères, les parquets cirés, les draps à midonnées.
Ah, dis donc, vous avez fait des recherches. Je ne sais plus dans quelle interview j'ai dit ça, mais j'ai dû dire ça à une époque. Mais vous êtes une vieille dame, en fait. Ah, j'assume totalement mon statut de vieille dame. J'aime les bonbonnières à l'anglaise, les petits canapés. D'ailleurs, je suis assez bien dans l'endroit où nous nous trouvons. On avait un studio spécial vieille dame qu'on a monté pour l'émission. Oui, toutefois, vous avez eu votre période mauvais genre, votre période hémoglobine. Ah, mais l'un va tout à fait avec l'autre. Je continue à aimer l'hémoglobine. Enfin, je vous ai coupé, pardon. Non, je pensais à vos... Oui, le sourire des enfants morts, le regard du poussin, etc. Vos ouvrages des années 2000, début des années 2000. Comme on parle comme si c'était dans une autre vie. Disons que ça tranche un petit peu avec vos derniers ouvrages, non ? C'est-à-dire que j'ai fait mes premières j'ai fait mes classes, j'ai fait mes gammes avec des nouvelles fantastiques et plutôt horrifiques, que j'ai d'ailleurs ressorti, j'en ai ressorti une sélection le printemps dernier au Castor Astral, sous le titre Narcisse et moi, avec une nouvelle que j'aimais beaucoup, qui est la nouvelle titre. Donc c'était un monsieur qui se mangeait lui-même, qui commençait juste par se couper, par sucer son doigt et dire « Ah, c'est pas mauvais !» Et petit à petit, à la fin, il allait jusqu'à scier sa cuisse et la mettre dans le four comme un gigot. C'est génial, voilà. C'est un génie. Voilà. Excellente idée. Mais d'ailleurs, pour mieux vous connaître, il y a un passage qui est formidable, c'est dans le Dictionnaire amoureux de Paris, le passage « Mes appartements ». Absolument. J'espère. Mais vous êtes très attaché à l'esprit des lieux et l'âme des lieux. Et vous vous décrivez à travers tous les lieux que vous avez habités dans ce passage, au fond. Absolument. D'ailleurs, on est des reporters de terrain. On est au cœur de l'action, puisqu'on fait une émission rue Jacob, là où vous avez commencé. Mon père vivait juste à côté. Ouais. Donc, c'est le week-end. Je venais chez mon père qui était au 1 rue Jacob. Et oui, je suis un nostalgique patenté. J'aime les lieux, j'aime l'esprit des lieux. J'aime les décors, j'aime les contextes. Et quand je prépare un roman, je pense d'abord... au décor, je pense d'abord à l'univers visuel avant même de mettre des personnages dedans. J'ai besoin d'avoir le théâtre avant de mettre la pièce dedans. Je préférais les décors aux gens, oui. Très nettement, oui. C'est-à-dire, pour moi, les gens sont des émanations des lieux et pas l'inverse. Et alors, c'est chez votre père que vous découvrez la chanson française, des disques de Bourville, de Ray Ventura. Il y avait des films aussi. J'ai noté, il y avait La Moule des Tropiques ou Vol au-dessus d'un nid de coucouille. Ah oui, Vous avez effectivement, absolument. Il avait un ami qui lui prêtait des films pornographiques avec ces jolis titres qu'on pouvait leur donner encore dans les années 70 ou 80. Et j'avais découvert ça, je devais avoir 10-12 ans. J'avais été regardé derrière ces cassettes. Et effectivement, La Moule des Tropiques avec La Moule des Tropiques. Avec, je crois que je cite d'ailleurs dans l'article, le résumé au dos de la cassette, il y avait cette phrase magnifique: Chantal aime beaucoup les testicules. Et ça m'a toujours. Ça m'enchante. On dirait du San Antonio. Absolument. C'est le prénom Chantal, c'est toute une époque. Et alors, pour parler aussi de votre premier studio à Paris, qui était au Palais Royal, dans l'immeuble de Colette et de Cocteau, qui était une crapaudière, où finalement votre vie parisienne a commencé. Et c'est très émouvant quand vous en parlez, vous racontez vos premiers animaux empaillés, vos premiers écrivains collabos, manger d'andouillettes devant Salaud ou Laissez-moi journée de Sodome. Ouais, vous m'avez bien lu, absolument. J'ai fait les RG, là. Ouais, c'est bien. Non, bah, de toute façon, j'ai écrit tout ça, donc j'assume. Oui, j'ai passé d'abord 5 ans en pension, à Juilly, chez les oratoriens. Ouais. Et parce que je vivais, sinon, avant j'étais entre chez mon père à Paris, puis à Senlis dans l'Oise. Je me suis retrouvé à Paris à 18 ans, j'étais en Hippocagne. Et mes grands-parents avaient un appartement dans le Palais Royal, au deuxième étage. Et il y avait deux petites chambres de bonne attenantes au cinquième. Et ils m'ont dit, écoute, installe-toi là. Et là, ça n'a duré qu'un an, puis ils ont vendu l'appartement. Mais c'est mes premiers souvenirs parisiens. Et c'est un endroit que j'adorais, mais c'était deux petites chambres absolument insalubres. L'une faisait 12 et l'autre 9 mètres carrés. Elles étaient non communicantes, avec bien sûr les chiottes sur le palier. Et j'ai cuisiné des trucs dans ce. J'ai fait effectivement d'ailleurs des moules marinières un jour avec des frites. J'avais une friteuse dans 12 mètres carrés. On était au moins 5 là-dedans, entassés les uns sur les autres. On se renversait de l'huile. Là, effectivement, pour le coup, c'était pas la moule des tropiques, mais c'était la moule du Palais Royal. Pour un Destienne d'or, vous tout de même. Absolument. Ouais, c'est amusant. Bon. Et alors, on a tous les deux un point commun, c'est en 2008, vous commencez votre carrière de terroriste à la radio. Non, c'était même un petit peu avant, parce que la radio chez Dutort, j'ai dû commencer en 2000. Vous vous êtes fait virer en quelle année? Ah non, je me suis fait virer en 2008, c'est 2004. Ah oui, en 2008, vous êtes terroriste et vous faites virer pour blasphème et pornographie. Absolument, parce que ça c'est ça. En fait, pendant des années, je venais une fois par mois dans l'émission de mon copain Benoît Dutert et j'amenais des incongruités musicales. Et à chaque fois, il y avait une gradation. Il y avait 5 chansons avec un petit texte de présentation. Ouais. Et à la fin, il y avait toujours un truc très potache, très provo, très mauvais esprit, généralement assez scatologique ou obscène.
Et là, c'était, là on est, c'était à la toute fin de l'année 2008, peu de temps avant Noël, et j'ai passé une version paillarde, enfin totalement porno, d'Il est né le divin enfant. C'était voilà. Comment la version porno? C'est pas Il est né le divin enfant, c'était Ils ont des grosses bites, des gros glands. Je vous laisse, je vous laisse ça le chanter. Ça n'avait rien de zoophile avec voilà. Le bœuf. Non, non, voilà, ça. Et, ça. Et là, à chaque fois, j'avais des brassées de lettres d'auditeurs furieux, et en même temps, des gens qui trouvaient ça très drôle. Mm. Et là, le directeur de l'époque, Marc-Olivier Dupin, m'a envoyé une lettre recommandée magnifique que j'ai encadrée dans mon bureau, parce que c'est un modèle de raffinement technocratique, si je puis dire, m'expliquant que voilà, je n'interviendrai plus sur les antennes de France Musique. Ce qui va nous arriver demain. Le grief était le blasphème. Vous étiez déjà un pornographe récidiviste, en somme. Pornocrate même, on peut le dire. Et alors, on va faire un tout petit peu d'auto-promo de notre émission avant d'aborder le thème de votre dernier bouquin. Vous avez écrit un très joli texte sur les clochards, et notre émission s'appelle Les Clochards Célestes. Et vous dites, au fond, le clochard, ça vient de claudiquant, clochant, et ça vient aussi de cloche, qui était le ciel, celui qui avait le ciel comme toi. Et les vrais clochards ont disparu, c'était les mecs un peu anards, un peu escrocs, un peu potaches, un peu canailles, à la fois jovial et bonhomme. C'était Dudu, Boudu, Archimède, Bibi la Purée. Parlez-nous de Bibi la Purée. Alors Bibi la Purée, franchement, il faudrait que je reprenne mes notes parce que là, moi-même, là, vous me coincez. J'ai un petit peu, ça c'est dans mon dictionnaire Amoureux de Paris. J'ai fait énormément de recherches, mais c'est un livre que j'ai écrit il y a maintenant quelques années. Donc mais d'une manière générale, ce qu'on appelait le clochard est ce qu'on voit dans Ils étaient neuf célibataires de Guitry, c'était des gens qui s'étaient... des espèces d'anards qui vivaient au gré du temps. C'était une époque où les maisons où on ne jetait pas toutes ces ordures, où les gens pouvaient récupérer des choses derrière les maisons, et c'était avant maintenant on appelle ça des SDF. Voilà, c'était il y avait pas véritablement le concept de misère était ouais. On a quelques clochards encore à Saint-Germain quand on voit Pierrot, Moret, tous ceux-là qui traînent autour du Québec, oui, du Old Navy. On en a encore quelques-uns qui sont des vrais Oui, mais il y a cette étrange, une espèce de, je ne vais pas dire de fierté, mais il y a une forme de morgue, et même presque une attitude esthétique. Ils sont très fiers. Ce ne sont pas forcément des... Ce sont parfois... Alors bon, c'est ça, il faut voir jusqu'à quel point, mais parfois, ce sont des gens qui ont fait ça par choix. Ouais. C'est pas une dégringolade sociale. Quoique, si on va regarder, il y en a aussi qui ont une pause par orgueil, et d'ailleurs, ils ont raison. C'est pas le, enfin, bon. Bibi la Purée était secrétaire de Verlaine. Voilà, c'est ça. Bon. La biographie. Mais est-ce que, votre Altesse, c'est pas vos seuls amis, les clochards de Saint-Germain-des-Prés, non? J'en ai quelques autres à côté. Vaguement. Alors, on va parler... Je les vois moins. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il faut faire un peu de promo et tout. Votre dernier ouvrage, Marthe ou les beaux mensonges, Antoine, en 30 secondes, de quoi ça parle ce livre? Et après on va rentrer dans le détail. Oui, chers auditeurs, comment imaginez-vous la femme qui, élue au conseil municipal de Paris, fait fermer les maisons closes de Paris, puis par ricochet celle de la France en 1945? Eh bien, on l'imagine comme une sorte de mère la pudeur, selon vos termes, une sorte de prude, une bigote, un peu semblable d'ailleurs à la Madame Anastasie des allégories de la censure. On a des références de malade là. Ah, tout à fait. Et d'autres encore meilleures vont venir, car en vérité, ce personnage de Marthe est exactement tout le contraire. Non seulement elle a été prostituée elle-même dans sa jeunesse, aventurière, sixième femme française ayant obtenu le brevet d'aviatrice, femme d'affaires, agent double pendant les deux guerres, etc. Pour vous qui êtes amateurs d'opérette, de théâtre, d'opéra, etc., j'imagine que vous connaissez la figure presque folklorique de Madame Angot, la poissarde parvenue. Et en somme, vous reconnaissez peut-être dans ce mythe votre personnage. Si c'était que Marthe Richard n'a pas eu d'enfant, alors que la fille de Madame Angot. C'est vrai, voilà. La fameuse fille de Madame Angot. Bon, mais alors, toute cette vie, et c'est pour ça que le bouquin s'appelle « Où les beaux mensonges » est construite sur le mensonge. Et à un moment, elle dit « Je menais une triple vie où chaque vérité était un mensonge et chaque tromperie un aveu. »
Et c'est marrant, c'est quand elle espionne, à un moment, elle est au fond presque dépassée par ses propres mensonges. C'est un personnage qui va s'emmêler les pinceaux dans ses mensonges à tel point que même elle n'a plus conscience du vrai et du faux, quoi. C'est ça ce qui est génial, non ? Mais c'est que même ce qui fait que même elle, même nous, on ne sait plus ce qui est vrai, oui, et ce qui est faux. Il existe deux biographies qui se contredisent. Mmh. Et elle a écrit deux autobiographies qui se contredisent, plus des biographies de son vivant qui avaient été faites. Tout se contredit. Donc, moi, quand j'ai décidé de faire un livre sur elle, j'ai pris le biais d'une narration très romanesque parce que de toute façon, on ne sait pas exactement certaines choses. Donc, à chaque fois, je choisissais en fonction de ce qui me paraissait le plus vraisemblable et aussi le plus amusant à raconter. Mmh. Donc, j'ai fait une sorte de digest, comme on dirait maintenant, des différents textes écrits par elle ou en tout cas qui lui sont consacrés. J'ai établi une chronologie narrative et puis j'ai commencé à raconter. Et je me suis mis dans sa tête parce que c'est un personnage extrêmement ambigu. Et si on l'a décrit de l'extérieur, au bout d'un moment, on est forcé de porter une forme de jugement. Mmh. Et je voulais surtout pas la juger parce que d'abord, je ne suis personne pour juger. Moi, je cite toujours la phrase le mantra de Simenon qui disait comprendre et ne pas juger. Pour moi, c'est essentiel. Comprendre, c'est tout pardonner. Voilà, bon, comprendre et pas juger. Il n'y a pas une sorte de pardon. Déjà, le pardon est un truc de rédemption. J'aime pas ça. Oui. Voilà. Non, ne pas juger, juste montrer les faits. J'aime montrer les gens dans tous leurs paradoxes, dans toutes leurs ambiguïtés. C'est ce que j'ai décrit dans mes romans. C'est les personnages qui s'inventent en contact avec les éléments. Toujours cette histoire du décor. Pour moi, les gens sont des résultats du décor et sont du résultat du contexte. On n'est pas ex nihilo et on avance comme ça. Et donc, Marthe Richard, l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est une espèce d'éponge du XXe siècle. Mmh. 1889-1982, elle traverse tout. Elle naît quelques années avant l'affaire Dreyfus. Elle meurt un an après l'élection de Mitterrand. Ouais. C'est-à-dire, c'est tout le siècle. Tout le siècle dans ses soubresauts, dans ses ambiguïtés, dans ses paradoxes, qu'elle illustre à chaque fois, et avec un côté comme un chat qui aurait 9 vies, à chaque fois, elle pourrait plonger et elle rebondit. Et elle rebondit et elle meurt dans son lit très âgée, en ayant sorti d'ailleurs pas mal de conneries à la fin de sa vie, que je développe peu dans le texte parce que c'était pas intéressant. Les 20 dernières années, c'est une espèce de vieille dame indigne qui passe à la télé, qui dit qu'il faut rouvrir les maisons closes, qui tient des propos assez absurdes dont elle ne croyait pas vraiment. Mais elle a c'est une vraie aventurière qui a rêvé sa vie au point de la vivre, au point de devenir l'héroïne de son propre imaginaire. Mais d'ailleurs, au fond, beaucoup d'historiens, c'est vrai, ont débattu si c'était vrai ou si c'était faux. Mais est-ce que ça n'a aucune importance? Et je dirais même plus, est-ce que c'est pas encore plus beau si c'est faux? Parce que, après tout, elle aura fait de sa vie une œuvre d'art. Elle aura inventé les plus beaux mensonges du siècle. Et tout le monde peut avoir une vie d'aventurier. Tout le monde peut vivre des trucs dingues et faire ses mémoires. Il y en a 300 qui sortent chaque année. Alors que inventer des mensonges aussi beaux, recréer une vie comme une œuvre d'art, seul l'artiste peut le faire. Oui, et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, elle a inventé, mais beaucoup de choses étaient quand même vraies. C'est-à-dire qu'elle a juste boursouflé. Elle n'aurait pas menti. Sa vie aurait été aussi spectaculaire, mais elle avait ce besoin de surenchère, ce besoin de remettre une couche, de rajouter de la béchamel, et ce qui fait que les gens ne la prenaient pas au sérieux, alors qu'en fait, c'était vraiment une femme sérieuse, une femme sincère, une femme engagée, une femme avec des idées, des convictions, et ça n'est pas uniquement par opportunisme qu'elle se lance dans la fermeture, dans le combat pour la fermeture des maisons closes en 45-46, elle est vraiment passée dans des maisons d'abattage dans sa jeunesse, je le raconte. Elle a vraiment connu la détresse de la vie de prostituée à la Belle Époque. Ensuite, quand elle fait cette enquête juste après la guerre, elle est vraiment allée voir les prostituées qui étaient en prison, la petite Roquette. Elle s'est rendue compte de la misère atroce dans laquelle elle vivait. Et donc voilà, c'est pas par féminisme ou pour défendre la cause des femmes qu'elle fait ça, mais c'est sincèrement. Et puis parce que c'est quelqu'un qui aimait la lumière, qui aimait qu'on parle d'elle, qui aimait être en une de la presse, qu'on parle d'elle en bien ou en mal. D'ailleurs, il fallait que les gens la regardent. Elle avait besoin d'être connue. C'était une sorte de rockstar. Elle avait besoin de son public. Une pré-Simone Veil, en somme. Voilà, alors la comparaison. Fais gaffe. Voilà. Mais voilà, elle n'a pas exactement le même parcours, mais elle a commencé vraiment dans la misère la plus crasse, et puis elle s'est élevée à la force de sa conviction, avec un orgueil démesuré et un certain brio. Alors, dans votre bouquin, il y a trois citations. Clémenceau, la vie n'est qu'un mensonge plus grand que les autres. Cocteau, je suis un mensonge qui dit la vérité. Marcel Aimé, tout le vrai de la vie est dans le mensonge. Avec vos paradoxes, là. De toute façon, c'est trois citations qui résument exactement mon personnage. Cette femme, ça n'est pas un roman, je n'ai rien inventé. Ouais. J'ai juste brodé parfois en enjolivé. Voilà, mais je ne viole pas non plus l'histoire. Je ne déforme pas la réalité. Mais c'est très difficile de trouver la ligne
une ligne de conduite au milieu de tant de flou et d'ambiguïté. Antoine, les mensonges, oui, les mensonges, les affabulations de Marthe Richard n'ont pour vous pas le même charme, peut-être, ou sont d'une autre nature que les mensonges et les affabulations de vos personnages dans Les Fidélités successives ou dans La Gloire des Maudits, par exemple. C'est tout autre chose. Bah, Marthe Richard a existé, mes personnages, je les ai inventés, mais Marthe Richard, je ne fais que raconter une histoire, une histoire réelle, dans mes romans. Ce qui m'intéresse, c'est de gratter les mensonges de l'histoire et toutes les ambiguïtés d'une histoire qu'on croit établie et figée dans le marbre. Voilà, ça, là, c'est plus, il y a plus de provocation dans mes romans que dans cette biographie. D'ailleurs, il y a un côté vraiment éternel rebelle, éternel insoumise, à ruer dans les brancards, et toujours un peu du mauvais côté. Et ça me rappelle, c'est très privé de joke, mais bon, ça me rappelle une phrase de Patrick Besson qui avait dit de Maurice Bardèche qu'il était entré dans la collaboration en 1946, qui était poussé assez loin à l'anticonformisme. Mais c'est tout à fait vrai. Bardèche s'est vraiment radicalisé. Oui. Non, en fait, pas en 1946, il s'est radicalisé le 6 février 1945, ouais. Quand son beau-frère a été fusillé. Voilà, ça il ne l'a pas accepté. Avant c'était un petit universitaire qui était dans l'ombre de son beau-frère et dont il avait surtout épousé la sœur. Ils étaient très proches, ils étaient copains normal sup depuis les années 30, mais c'était un vrai, voilà, il était prof. Et en revanche, il est devenu le premier grand éditeur d'extrême droite de l'après-guerre. C'est lui qui a été le premier à diffuser les textes révisionnistes. Enfin, voilà, il a été à fond. Ouais, ouais. En même temps, il a été reçu chez Pivot à la fin de sa vie. Vous l'avez connu ou pas? Bardèche, non. Non, vous n'avez pas connu. J'aurais pu, mais je ne suis pas allé Stanislas. Le Point en 2012 dirait que vous aimiez les salauds lumineux. Est-ce que vous considérez que elle fait partie de cette lignée de salauds lumineux sur lesquels vous avez écrit? Non, c'est pas une salope. Non, ça, je me souviens de cet article dans Le Point. C'est pas parce que les salauds lumineux, plus c'est les personnages très engagés dans la collaboration. J'ai une fascination pour ces gens-là. Non, ce n'est pas une salope, Marthe Richard. C'est une aventurière, c'est une courtisane, c'est en certains points une gourgandine, mais c'est elle a une forme d'honneur quand même, malgré tout, et de panache. Ouais, mais d'ailleurs, il y a un plaisir de déplaire dans votre livre aussi, parmi un passage qui est assez ambigu. Vous racontez l'histoire de petites filles de 13 ans qui se font violer, et vous dites finalement elles étaient très contentes, non? Alors je ne me souviens plus, comment je formule ça. On a mieux lu le livre. Je me demandais s'il y avait une influence un peu maznefienne dans le... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ça j'ai pas ces fantasmes là. Même si j'aime beaucoup Maznef, l'homme et l'œuvre, mais non, vous savez, quand ouais. On écrit les choses viennent comme ça, je ne cherche pas à caser. À caser des éléments de provocation au sein du texte, ça vient au fil de l'écriture. Et d'ailleurs, il y a une chose assez amusante et qui est très caractéristique de certains personnages, c'est à la fois, elle dit « je suis une vraie tête froide », ce côté, ce vitalisme, cette force, cette tête froide, et en même temps une naïveté. Et ça pourrait paraître très paradoxal, les deux. Oui, on dirait que le personnage ne s'endurcit pas, en quelque sorte. Il garde toujours sa sensibilité, sa candeur, ce qui est un peu curieux, on pourrait s'attendre au récit d'une femme qui, justement, ayant connu toutes ces épreuves, oui. Est devenue un peu... Ben alors ça, c'est peut-être moi qui l'ai pensé comme ça. J'ai pas vu d'aigreur chez elle, parce qu'il y a je crois qu'elle a une idée tellement haute d'elle-même, c'est que de toute façon, je serais toujours mieux qu'eux. Donc, c'est ça qui fait qu'elle survit et qu'elle rebondit à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amertume chez cette femme. Il y aurait pu. En tout cas, moi, je ne l'ai pas rendue amère. Peut-être qu'elle l'était, mais quand j'ai vu les interviews d'elle... Il y a une forme de recul, en fait, de sérénité. Mais bon, les interviews d'elle sont des interviews qui datent des années 70, qui sont postérieures au temps de narration de mon livre. Ah oui. Alors, on va quand même repartir au début. Elle a commencé prostituée dans les bordels à Soldat de Nancy. Elle faisait 50 passes par jour, ce qui devait être très... Alors, elle, pas forcément. Ah oui. Dans ces bordels-là, on pouvait faire 50 passes par jour. Vous imaginez Les ratio, gars s'appliquaient pas forcément. Comment? Les gars s'appliquaient pas forcément, c'était rapide, c'était 10 minutes chacun. À peine. C'était rarement des coups d'une heure. Ah oui, oui. On avait fait une mission avec Alain Pocard sur les putes où une vieille pute l'avait dit « Oh, le devant est trop fatigué, passez par derrière. » Voilà, tout n'est qu'élégance et délicatesse. Voilà. Bon, elle contracte la syphilis, monsieur Neuf de Sacha Guitry, syphilis m'était compté. Voilà. Mais bon, et...
Ce qui est assez étonnant, c'est que malgré qu'elle couche au bordel, elle va quand même tomber amoureuse d'un type. Son rabatteur. Ouais, son rabatteur. Et il y a un truc assez touchant où elle voit la journée quand elle couche comme des répétitions pour le soir. Quand vous lisez les témoignages des prostituées de toute cette époque-là, elles ont toujours un julot, comme on disait. Ouais. Et voilà, et il y a la baisse travail et la baisse plaisir. Il y a la baisse pour le fric et la baisse pour le cœur. Et vraiment ça, et voilà, il y en a où elle attend que ça se passe, il y en a où elle ressent. Donc ensuite, j'imagine que tout ça est très... Ouais. C'est deux parties de la cervelle. Ensuite, il y a un moment où juste elle reçoit, elle est un corps. Et puis ensuite, il y a un moment où effectivement elle est active, elle est un cœur aussi. Très beau tout ça, c'est bouleversant. On sent toute l'expérience. C'est comme la phrase de Woody Allen, si je fais si bien l'amour, c'est que je me suis beaucoup entraîné tout seul. Voilà, c'est très bien dit. Et alors, il y a un passage qui est complètement anecdotique, mais ça m'a étonné. Elle dit, elle commence à apprendre les techniques pour ne pas tomber enceinte. C'était quoi les techniques? Comment ça se passait dans un bordel à l'époque? Parce qu'on ne sait pas ça, nous, les jeunes auditeurs qui nous écoutent. Alors, il existait déjà ce qu'on appelait des capotes anglaises, mais c'était assez peu... Non, mais je crois qu'elle faisait attention. Elle regardait aussi en fonction des... En fonction des dates, elle suivait assez près leur cycle menstruel. Il y avait certains produits qu'on pouvait mettre, mais c'était très très aléatoire. Hein, des rinçages, des choses comme ça. Mmh. Elle se rinçait aussi. Oui, elle se rinçait tout de suite. Il y avait des bidets, les fameux bidets dans les chambres des bordels. Mais bon. Les bidets, c'est très vieille dame. Voilà. Il y avait quand même beaucoup d'avortements, plus toutes les maladies. Théoriquement, il y avait des visites médicales tout le temps, mais les médecins étaient souvent payés par les bordelières pour faire un travail de base. Et voilà. Mais d'ailleurs, elle dit dans le livre que finalement la prostitution, on fait de la prostitution pour en sortir, et chaque jour dans la prostitution, vous y enferme davantage. Mais elle va en sortir quand même. Elles sont rares à y être arrivées. C'est une des seules, peut-être. En tout cas, c'est une des seules qui soit devenue à ce point connue. Mais elle a passé sa vie à vouloir effacer cette blessure initiale, parce qu'à l'époque, on était fiché. Mmh. On entrait au fichier de la prostitution à la police des mœurs. Elle avait un numéro. Et toute sa vie, c'est aussi l'une des raisons de son combat en 45-46. C'était pour faire supprimer le fichier de la prostitution, c'est-à-dire faire supprimer ses propres références dans les archives de la police. Ouais. Alors, il y a un moment assez joli dans votre livre, c'est quand elle se fait arrêter en tant que prostituée mineure. Au lieu d'écrire prostituée, c'est pour atténuer un peu son cas, on écrit fille soumise. C'est ce qu'on disait pour les mineurs, absolument. Et étant donné qu'elle était mineure, c'était sa mère qui venait signer. C'est horrible, la mère qui écrit fille, oui. Fille est soumise. Antoine, tu avais une question peut-être. Oui, d'ailleurs, une autre... À propos de la fermeture des bordels, une autre raison de cette réclamation était le fait que les bordels à Paris avaient été de hauts lieux de la collaboration, en fait, très fréquentés par les Allemands et par leurs partisans. Et vous faites une rapide histoire des bordels parisiens dont l'occupation a été, selon vous, l'âge d'or. Et il y avait eu même auparavant, dans les années 20, la création d'une sorte de syndicat des maquereaux, l'amicale des maîtres d'hôtels meublés de France. Ah bah c'est-à-dire que le statut des bordels n'a jamais été aussi officiel et aussi organisé et régulé par l'État que sous Vichy. C'est-à-dire que ça a toujours été plus ou moins organisé, mais parce que effectivement aussi parce que c'était une source de revenus pour l'État, je crois qu'ils étaient taxés à 65%. Ah oui, c'était énorme. Ce qui fait que beaucoup ont râlé en 45, ouais. Mais quand ils sont devenus clandestins, ce qu'ils perdaient en étant dans l'ombre, ils le gagnaient quand même en n'ayant plus à payer d'impôts. Donc mais en fait, les principaux opposants à la fermeture des maisons closes, c'était pas forcément les clients, c'était la police. Ça, je l'explique. Parce que c'était la principale source de renseignement. Il y a toujours eu une espèce d'équilibre entre la poulaille et les maquereaux. Il y avait une interpénétration, sans jeu de mots, entre ces deux univers depuis toujours. Et c'était là qu'il y avait des indiques, qui trouvaient des renseignements, qui savaient. C'était là que se retrouvait le milieu. Et la criminalité était beaucoup plus, je pense, tenue à l'époque des bordels, parce que c'était des zones franches où il y avait une sorte de paix des braves entre la police et les malfrats, et où les échanges se faisaient, et où ils trouvaient des formes de zones neutres.
On a perdu des lieux magnifiques aussi à cause de ça, le Ouentoutou, le Chabanais, tous ces lieux tout le Chabanais, le Sphinx, les belles. Alors je me suis amusé d'ailleurs quand j'ai fait le lancement de mon livre, j'ai fait ça dans dans un ancien bordel qui s'appelle les Belles Poules, qui est rue Blondel, qui est un véritable lieu, alors dont il ne reste que le décor, mais c'est le seul décor authentique d'une maison close française. Décor qui a des années 20, qui est très amusant. D'ailleurs, à l'utiliser, fermer les maisons closes, c'est pire qu'un crime, c'était un pléonasme. Voilà. Mais quand on a fermé les maisons closes, finalement, les gens qui ont été pas assez choqués, c'est les mecs puritains, parce qu'avant, au moins, les filles étaient dans les maisons, alors que là, les nanas se retrouvaient dans la rue, en fait. Mmh. Et donc, tous les petits garçons dans la rue, vous voyez des putes, quoi. Oui, absolument. Mais bon, il y avait aussi des filles dans la rue. Hein. Simplement, il y en a eu beaucoup plus. En fait, les bordels suisses ont changé de contexte, mais il y a toujours ça a renvoyé les filles au bois. Enfin, bon, alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je crois que c'est un débat éternel, c'est impossible. Est-ce que ça vaudrait le coup de les rouvrir? Dans les années 70, ça vaut le coup. Dans les années 70, ça vaut le coup pour nous. Jeu de mots facile. Dans les années 70, on a créé en Allemagne les Zero Center, que Marthe Richard était allée visiter avec une prostituée allemande, un peu pour se rendre compte. Mais bon, c'est un problème. C'est bordel à poupée sexuelle, où on peut choisir cette taille de trou et tout. Ouais. Bon, mais il y a un moment assez amusant dans votre bouquin sur. Vous parlez des couvents, en fait, c'est pas du tout amusant. Et sur l'idée du monstre. Et vous avez beaucoup écrit sur les monstres. Vous êtes peut-être même notre plus grand thératologue. C'est-à-dire... Après Martin Monestier, qui pour moi est le grand écrivain des monstres. Et vous avez écrit sur finalement le côté assez tristement humain, désespérément banal du monstre. Est-ce que le monstre, c'est un pauvre type? C'est n'importe qui? Qu'est-ce que vous retenez du monstre? Le monstre, d'abord, c'est celui qu'on montre. Étymologiquement, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce personnage qu'on voit dans la rue et qui dérange parce qu'en fait, il est peut-être plus humain qu'on ne peut l'être nous-mêmes. Il y a des difformités physiques. Simplement, il est juste différent. Il y a quelque chose qui est angoissant. C'est voilà, moi j'ai toujours aussi aimé les films de Jean-Pierre Mocky, qui est un de mes maîtres, si je puis dire. Et ce type, quand il tournait un film pour trouver tous les figurants et même les second rôles, il allait dans la rue et dès qu'un mec avec une gueule, il disait viens voir, viens te faire du cinéma. J'aime les grotesques. C'est comme les dessins de Daumier, c'est comme tous ces personnages secondaires qu'on voit dans les tableaux de Jérôme Bosch. J'aime cette espèce d'humanité un peu difforme, un peu dérangeante. Je déteste le clonage. Bienvenue à Gattaca, c'est un cauchemar, alors que Freaks, c'est le vrai monde. Ouais, c'est vous les Freaks. Voilà. Destino est un punk. Hein. Mais est-ce que vous en connaissez des monstres d'ailleurs? Non. Il y en a plus. Depuis l'invention de l'échographie, maintenant on peut voir ces choses-là. C'est-à-dire que la grande époque des bossus, des frères siamois, tous ces trucs-là, maintenant on peut les régler avant. Donc je vous dis, maintenant on arrive à Bienvenue à Gattaca où tout le monde a la même tête. C'est pas drôle. On aurait dû nous euthanasier à la naissance. Oui, votre définition des monstres rappelle un peu ce que vous entendez par fin de race. Car c'est le titre d'un de vos romans. Et la notion de fin de race, c'est vrai, en gros, qui définit une espèce de génération qui incarne à la fois le raffinement des générations précédentes et en même temps une espèce de déchéance physique, morale, etc. Cette idée vous fascine, j'imagine, et on peut se demander, on peut presque oser se demander si... vous, héritier d'une grande lignée, d'une grande dynastie française, d'Estienne-Dorf, vous ne vous qualifiez pas comme fin de race, d'une certaine façon. C'est comme ça qu'on m'appelait déjà en pension. Donc, oui, si j'assume complètement le côté un peu... Voilà, où on finit par comme la fin des lignées des pharaons, on finit par se reproduire entre nous. Le mélange sociologique. Le côté fin de race, on me l'a tellement, tellement ressorti. Ça fait partie de mon ADN. Ils appellent ça les fonds de douve en Anjou. Voilà, c'est une bonne formule aussi. Vous défendez les fins de race, Stanislas? Évidemment. Et alors, est-ce que votre roman, parce que ça décrit la misère, ça décrit tout ça, donc des petits cons pourraient dire, ouais, il y a un côté à la Zola, mais au contraire, c'est le anti-Zola. On ne peut pas plus... À l'opposé de Zola, ce que vous écrivez, c'est la misère comme dans Zola, mais avec le panache de l'ivresse et de la désinvolture.
C'est un peu du Zola contre Zola. Alors peut-être, j'ai eu une passion pour Zola quand j'étais en seconde et première. J'ai tout bouffé, j'ai adoré ça. J'ai jamais relu, mais je sais que ça m'a beaucoup marqué et j'aime le... Je suis un besogneux, moi, donc je suis un besogneux, je suis un méthodique, et j'admire ce côté très, très pragmatique de Zola qui a organisé son projet littéraire, qui faisait des enquêtes, le côté un peu journalistique, et qui travaillait, et puis qui, petit à petit, et tout à coup, quand, malgré le côté très, très organisé de son travail, tout à coup, il y avait une sorte de flamme qui partait, et il y avait des pages absolument lyriques, parce que tout à coup, il oubliait qu'il avait un grand projet littéraire, juste il se laissait écrire. Et moi, j'étais un grand, grand, grand lecteur de Zola, plus que de Balzac, d'ailleurs. Ouais. Et puis, j'ai le Second Empire, une période qui me passionne à tout point de vue, intellectuel, musical. Pourtant, votre style n'est pas du tout dans le style de Zola. C'est ah, mais non, mais je cherche à obtenir non pas un non-style, mais un style extrêmement fluide. Je cherche pas à faire de la belle phrase. Je veux toujours que mes lecteurs oublient petit à petit. Qui voient des mots, qui sont devant des mots, qui est comme une sorte d'écran invisible, mais d'écran de cinéma qui se met en place devant eux et ils sont plongés dans le film. Alors, Marc Richard, donc on va continuer. Elle va trouver un moment un homme riche, et ça, ce qui va la sortir de la prostitution. Selon la célèbre phrase, les femmes que l'on paye ne sont pas celles qui nous coûtent le plus cher. Je pense que vous approuvez cette phrase, non ? Je ne me prononcerai pas. Et il y a presque un éloge un peu sous-jacent dans votre livre du grand amour. Et on se demande, est-ce qu'une nana aussi cynique que Marthe Richard peut être amoureuse ? Elle ne l'était pas cynique au début. Ouais. Elle l'est devenue à la longue parce qu'elle a... Voilà, elle a perdu... Elle a eu un accident qui l'a empêché d'avoir des enfants. Ah, oui, voilà, oui. Elle est devenue stérile. Non, elle n'est pas cynique. C'est une forme de survie, d'énergie, d'énergie vitale pour renaître éternellement de ses cendres. Mais à un moment, il y a un type qui lui dit « Vous valez 10 hommes ». Est-ce que c'est une femme qui fait peur aux hommes ? Est-ce que ce serait un peu la maîtresse femme ? Oui, alors c'est une femme qui a des couilles, ça c'est certain. Oui, plus que nous. Elle a vraiment traversé toute une série d'épreuves terribles qui l'ont endurcie. Je ne vais pas dire qu'ils l'ont virilisée ou masculinisée, ça ne veut rien dire. Plus de nos jours, ça ne veut plus rien dire vraiment du tout. Ah oui, non. Oui, enfin, c'est juste une matronne. Mais il y a des hommes que ça fascinait, d'autres que ça effrayait. Elle fascinait les hommes, elle rendait jalouses les femmes. C'est souvent comme ça. Ouais, mais d'ailleurs, dans le livre, les hommes apparaissent pas si virils, parce qu'à part son mari, beaucoup apparaissent comme des lâches, des couards. Ce sont les hommes qu'elle a rencontrés. Ouais. Ce sont les hommes qu'elle a rencontrés. Vous êtes fasciné par les matrones, vous ? Non, pas particulièrement. Je n'ai pas de fascination spéciale pour des types humains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les trajectoires. Ouais. Déjà, c'est les trajectoires. J'ai pas un type humain qui m'intéresse. C'est, voilà. J'aime les gens double, triple, complexe, menteur. J'aime les gens qui cachent des choses. J'aime les gens qui ont des jardins secrets. Voilà. La radio dans laquelle nous allons des émissions, Radio Campus, qui a une très belle lecture des choses, pourra faire une lecture féministe et anti-viriliste de votre livre, au fond. Écoutez, tout est possible. Moi, je ne théorise rien. Je n'ai pas de, j'ai pas de sorte d'opinion absolue sur les choses. Voilà. Moi, je raconte des histoires. Ensuite, c'est le principe du fabuliste. Ouais. Il lance une histoire à chacun de la prendre comme il veut la prendre. C'est pour ça que moi, l'un de mes écrivains favoris, c'est Marcel Aimé, parce que ces textes peuvent être pris dans un sens comme dans l'autre. Ils sont les projections de nos propres fantasmes. Antoine, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur Marthe Richard, pionnière de l'aviation? Pionnière de l'aviation, eh bien... Moi, si tu veux. Bah, Marthe Richard a été une des pionnières de l'aviation, donc. Oui. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'elle voyait l'aviation comme la sexualité au niveau cosmique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Là, parfois c'est l'auteur, c'est le biographe qui s'amuse à trouver des formules qui sonnent bien. Non, mais de toute façon, je pense que fondamentalement, elle a vraiment été heureuse et amoureuse et elle a ressenti du plaisir physique avec son premier amant qui était son rabatteur et quasiment son souteneur, un bel Italien rencontré sur la place à Nancy. Ensuite, elle a eu un rapport plus... c'était plus des... comment dire des... une bonne entente avec les hommes. Je ne sais pas si elle a... Je pense qu'elle les sex friend. Voilà, elle éprouvait plus de plaisir physique. Je veux dire, elle jouissait vraiment quand elle montait quand elle montait dans les nuages. Vraiment. Ah oui, oui. C'est l'effet que ça fait quand on lit sa vie, quand on lit ses textes. Ah,
C'est seulement assez simple. Et est-ce que peut-être alors, je sais pas. L'idée d'apesant quand on se lève, le contraste que ça fait pour les oreilles peut faire l'esprit d'un orgasme. Non, alors je sais pas si elle avait les orgasmes en pilotant ses avions, mais il y avait une adrénaline. Elle aimait se mettre en danger, elle aimait avoir peur. Stanislas. Elle préfère l'amour en l'air. Décidément, on a un jeu de mots incroyable. Et alors, il y a une histoire absolument incroyable parce qu'elle va être dans le coma. Elle va tomber, elle va avoir un accident d'avion. On connaît que les comas éthyliques ici, mais elle fait un vrai coma, pas éthylique, un coma d'aviation. Elle va être combien de temps dans le coma? J'ai noté 13 semaines, 3 semaines. 3 semaines, 3 semaines. Non, elle a eu beaucoup, beaucoup de chance. Oui. C'est une miraculée à maintes reprises. Donc effectivement, c'est pour ça qu'au bout du compte, on doit se croire au-dessus de la mêlée, ouais. D'où cette absence d'aigreur. Et alors, il y a une histoire géniale, on ne va pas la raconter trop longuement parce que ça serait très long, mais elle veut gagner une course au meeting de Zurich. Et alors, dites-nous en quelques mots ce qu'elle fait. Alors, ça reste un mystère, c'est-à-dire qu'il y avait une course, le Crotoy, donc le Crotoy dans la baie de Somme, Zurich en avion, en solitaire. Alors, elle a gagné cette course, mais on ne saura jamais si... D'aucuns pensent qu'en fait, elle se serait posée peu avant la frontière, et que l'avion serait posé soit sur un train, soit sur un camion, et aurait traversé les zones les plus dangereuses. Et elle est arrivée ensuite au Crotoy. Tout le monde se contredit, elle y est arrivée, elle n'y est pas arrivée. Donc moi, j'ai fait une sorte de numéro de claquette, en plus, où je m'exprime pour Marthe Richard, où effectivement, elle dit oui sans dire non, elle dit non sans dire oui. Donc on ne saura jamais. Bon, on ne saura jamais. Alors, on ne saura jamais sur la Marthe Richard espionne non plus, parce que Marthe Richard espionne, et d'ailleurs, il y a presque un guide pratique de comment être un bon espion. Parce que vous dire, un bon espion, c'est quelqu'un qui sait saisir le moment opportun et qui agit à l'instinct. Voilà. Vous seriez un bon espion ? Sûrement pas, je déteste ça. Je détesterais ça. Surtout s'il faut faire comme elle, franchement, avec un gros Allemand, ça fait pas envie. Bon, mais, non, c'est-à-dire qu'en fait, en 1914-1915, c'est le début de la guerre, elle veut absolument s'engager. Mais d'abord, déjà, ils ne veulent pas d'aviatrice. Oui. Et en plus, ils ne veulent pas d'avion. Et en plus, ils ne veulent pas de femme. Oui. Et elle finit par être convoquée par le deuxième bureau qui lui dit, écoutez, la seule manière de nous aider, c'est en écartant les cuisses. Globalement, c'est ce qu'ils lui disent. Et donc, il l'envoie à Saint-Sébastien, qui était en une terre neutre, au nord de l'Espagne, qui était une zone où on trouvait aussi bien des diplomates que des militaires de tous les camps. Et donc, elle a pour mission de séduire un officier allemand et de récupérer des secrets sur l'oreiller, exactement comme Atari. Et elle le fait. Et d'ailleurs, il y avait eu un film inspiré d'un des textes à son sujet, qui est sorti en 1937. Marthe Richard au service de la France, Raymond Génie. Bernard, dans lequel Eric von Stroheim joue le rôle de l'officier allemand. Et c'était son premier rôle quand il est arrivé d'Hollywood, avant La Grande Illusion. Donc, le premier rôle d'officier allemand joué par Stroheim en France, c'est pour accompagner Marthe Richard. Et alors, en plus, mais quand elle se fait arrêter par la Gestapo, elle supplie presque les gens de l'arrêter, en fait, en disant « je suis résistante, moi je suis une espionne ». Et les policiers lui disent « bah non, on veut pas vous arrêter, vous êtes personne ». C'est un peu à peu près ça, non? Oui, elle voulait en plus. Enfin, là, on est maintenant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais parce que après guerre, dans les années 20, elle épouse un deuxième homme qui est citoyen britannique. Oui, c'est et ça. Et quand on épouse un Anglais, on épouse aussi sa nationalité. Oui. Et elle en sera veuve un an plus tard, et elle gardera toute sa vie la nationalité anglaise. Jamais, jamais, jamais la France voudra lui redonner le passeport français. Donc, c'est aussi pour ça qu'il ne voulait pas d'elle, parce qu'elle n'était pas française. Elle a fait voter une loi en tant qu'étrangère ? Pardon ? Elle a fait voter une loi en France en étant étrangère ? Oui, mais en fait, il y a aussi un abus de langage, c'est-à-dire qu'elle était élue au Conseil de Paris, où on peut l'être en étant citoyen étranger, mais elle n'a jamais été élue au Parlement. Donc, quand on dit loi Marthe Richard, c'est une formule. Ce n'était pas elle qui a fait voter. Pas le vrai nom de la loi. C'est pas le vrai nom de la loi. Déjà, un débat sur le droit de vote des étrangers, on est au cœur de l'actualité. Voilà. Mais oui, mais quand elle se fait arrêter, c'est ça ce qui est comique, le côté vraiment rebelle, c'est que elle a presque envie de se faire arrêter par la Gestapo, en fait. Elle a envie d'être prise au sérieux. Elle a envie d'être prise au sérieux. Parce qu'il voit arriver une dondon qui a déjà une cinquantaine d'années. Et voilà, elle veut pouvoir continuer à rêver sa vie. Alors, déjà, à la fin de l'occupation, où elle a plutôt été du côté des occupants, elle se met à héberger un résistant anglais pour faire semblant de résistant. D'ailleurs, elle a couché avec le résistant anglais ou pas ?
Ça, je ne sais pas. il faut vous dire qu'aussi pendant l'occupation, oui. elle avait déjà près de 60 ans. Hein. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Voilà. Enfin, elle avait. C'est comme Arletty, elle était très, elle oui. très, comme la France, très occupée, oui. Oui, et l'une des atmosphères les plus frappantes de votre roman, c'est Vichy, évidemment. Vichy, où Marthe Richard passe 2 ans, je crois, et elle est une espèce de figure mondaine. Elle devient même la maîtresse de Joseph Barthélémy, le garde des Sceaux. Absolument. Du gouvernement de Vichy. Et c'est une atmosphère qui mêle la frénésie et l'ennui très particulière, qui nous ramène à votre fascination pour la collaboration et ses milieux. Oui, ça, je peux pas m'empêcher de décrire ces périodes-là qui me fascinent. Et c'est les chapitres où je me suis le plus amusé, ce sont les chapitres de la guerre, comme toujours. Là, je me sens chez moi. Ce sont mes charentaises. Mais d'ailleurs, elle faisait partout avec les Allemands dans l'occupation. C'est très mon cœur est français, mon cœur international. Celle-là qu'elle recevait dans son appartement. Son appartement était une annexe d'un bordel. Elle recevait elle organisait des parties fines pour les officiers allemands auxquelles elle ne participait pas. Mais ça lui permettait aussi de récupérer des informations qu'elle donnait à la résistance. Donc elle faisait toujours un double jeu. Ah oui. Le BMC. BMC. Bordel militaire de campagne. Mais voilà. Mais elle n'a pas été tendue à la libération. Donc elle n'a pas... Ah non, pas du tout. Au contraire, elle a été médiée de la résistance parce qu'elle a rendu de vrais services à la résistance. Oui, nous n'avons jamais été aussi bien coiffés qu'à la libération. Bon, et alors après, c'est un peu comme Maurice Bardèche. D'ailleurs, elle va aller en prison, mais dans les années 50 pour recel sous l'occupation. Oui, enfin, Maurice Bardèche est allé en prison pour des raisons idéologiques. Oui. Elle, en fait, la police a tellement pas avalé qu'elle fasse fermer les maisons closes qu'ils ont décidé de se venger d'une manière ou d'une autre. Et ouais. Donc, ils vont lui charger des poux dans la tête de tous les côtés. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de tout déterrer, voir où ils peuvent la coincer. Et il y a cette fameuse histoire de recel de bijoux qui, en fait, n'était pas du tout de son fait. Mmh. Mais il y avait des ambiguïtés, ce qui fait qu'elle a passé quelques semaines à la petite roquette, dont elle va sortir très, très meurtrie, pour le coup. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'on lui a donné le surnom la veuve qui clôt? Ah ben non, ça, c'était Antoine Blondin. C'était Antoine Blondin. C'était une formule de Blondin. Ah oui, parce qu'elle a été la veuve joyeuse. Mmh. La veuve qui clôt, c'était elle. La veuve Clicquot, c'était le champagne. Oui. Et la veuve Poignet, c'était le champagne du Front National. Oh, c'est bien. On saura tout. Voilà. Tu connais la veuve Poignet, c'est le fontaine de poulet d'Alchari. Ça, pourquoi tu parlais de s'occuper tout seul de ses petits plaisirs, mais sinon je ne savais pas que c'était du champagne aussi. Ah oui, vous avez fait cette marque de champagne. Elle va fonder un prix de littérature érotique qui va s'appeler Tabou. Non, elle recevra le prix, elle va recevoir ce prix. Oui. Et le principe de c'était un prix qui était remis au Tabou, la célèbre boîte de nuit de Boris Vian, enfin où Boris Vian jouait de la trompette, qui maintenant est dans l'hôtel de Busson, là, à côté, rue Dauphine. Et le principe, c'était un prix remis par un jury qui ne lisait pas les livres. Voilà. Elle le reçoit pour un livre qu'elle a écrit juste dans les années 50, où elle parlait encore de la guerre des sexes et tout ça. C'était pas sa biographie complètement romancée qu'elle a écrite. Non, parce qu'en fait, elle a écrit une première... Enfin, il y a d'abord un texte écrit par M. Georges Ladoux, qui était son ancien patron au deuxième bureau, qui crée vraiment le personnage et la légende de Marthe Richard, alors qu'avant elle s'appelait Richard et qui donne le nom de Richard, ça sonnait mieux, parce que Richard c'était le nom d'une entreprise de fausses sceptiques, c'est vrai, et elle-même écrit sa vérité sur les choses quelques années plus tard, puis dans les années 70, elle écrit de nouveau un livre qui s'appelle Mon destin de femme, publié en 74 chez Robert Laffont, dans la collection Vécu, et elle est invitée chez Pivot. Ah oui, mais au fond, elle a fait un peu le même parcours que Maud de Belleroche, non ? La Maud de Belleroche était véritablement collabo. Grand personnage. Je sais pas si moi j'ai jamais rencontré. Vous l'avez rencontré ? Non. Je crois qu'elle est toujours en vie. Il faut aller là. Elle vit à Deauville, il me semble. Vous pensez qu'on peut inviter Maud de Belleroche, mais elle a 96 ans. Non, alors, bon, là, il faut que vous y alliez avec votre petit matos. Oui. Mais ce qu'elle avait écrit, alors on dit pour nos jeunes. Le balai des crabes. L'idole fasciste qui a été la plus jeune divorcée de France, maîtresse de Jean Lichère, qui avait même joué dans un film de dominatrice avec les Allemands. Et qui était une invitée régulière de Philippe Bouvard aux Grosses Têtes pendant des années. Oui. Votre Altesse est très excitée par Maud de Belleroche qui a 94 ans. Se vantait de danser le croc. Je te présenterai Isabelle Perron en échange. On pourra faire des... Mais alors,
y avait quand même un truc assez amusant, c'est le contraste entre cette aventurière qui a une vie incroyable et finalement ses deux plus grandes joies, ça a été ses deux demandes en mariage et sa Légion d'honneur. Ah, la Légion d'honneur, elle l'a jamais... Pour le coup, s'il y a une amertume chez elle, ouais, c'est le fait de ne l'avoir eu qu'en tant que, que ressortissante étrangère. Elle aurait voulu avoir la Légion d'honneur en tant que française. Mais ça c'est son côté, c'est sa petite enfance très, très modeste. La Légion d'honneur, ça, c'est une sorte d'apothéose, de pinacle. Ouais. Et pourtant, elle avait coupé les ponts avec sa famille. Mais il y avait, c'est la reconnaissance de son pays pour ce qu'elle lui avait donné. Mais est-ce que tous les gens aventuriers comme ça, marginaux, ont pas à la fin de leur vie parfois des rêves de petits bourgeois ? Bon, de toute façon, à la fin de sa vie, quand le périmètre se réduit, on a envie de confort, on a envie de quelque chose de rassurant et ça rassure parce que voilà, on est coincé dans un canapé, on voit les décorations au mur, on se dit voilà, au moins j'ai fait ça. C'est tout ce qui reste. Et elle les accrochait au mur, c'est des... Voilà. Donc je pense que c'est tout simple. Oui, peut-être que c'est à la fin de sa vie, on rêve d'avoir des petites satisfactions parce que tout le reste ne fonctionne plus. Antoine, tu avais une question peut-être. Oh, je me demande dans quelle mesure vous vous reconnaissez dans votre personnage. Au fond, est-ce que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais quand on est comme vous, encore une fois, je le répète, l'héritier d'une grande lignée, est-ce qu'on n'est pas aussi l'héritier d'une certaine légende héroïque ? Et donc, vous pourriez vous dire, mais ma famille, mes origines sont un roman, de même que Marthe Richard disait, ma vie est un roman. Est-ce que vous n'êtes... Enfin, voilà. La vie de Marthe Richard est un roman. Moi, ma vie n'a strictement aucun intérêt. J'ai une vie extrêmement banale. Et voilà. Mais en revanche, je vis dans des mondes parallèles tous les matins, puisque tous les matins, je passe plusieurs heures à écrire. Et l'univers dans lequel je suis le plus épanoui et le plus heureux, c'est souvent l'univers de la fiction. Donc, ouais. Si ma vie est un roman, ma vie est dans mes romans. En revanche, l'histoire de l'héritage familial, il se trouve que je porte ce nom, et dans ce cas-là, il faut se faire un prénom. Mais oui, c'est très utile, d'un point de vue purement de médiatique, si je puis dire, de porter un nom connu. Mais ensuite bon, je ne suis que le... je suis pas là. D'abord, je ne suis pas l'héritier direct, c'était mon grand-oncle. Et ensuite, bon, je ne me projette pas dans d'autres périodes. Voilà. Il se trouve que j'ai un grand-oncle qui a un comportement admirable et qui est un homme absolument remarquable et que j'aime beaucoup ma famille et l'ensemble de... Voilà, mais bon, le fait qu'il s'appelle Estiendorf ne change rien à la chose. Vous êtes un écrivain du matin, alors qu'on aurait pu croire que vous seriez un écrivain du soir, un peu comme Blondin. Moi, je suis un diurne. Quoi qu'il arrive, je suis un diurne, je me lève. Ouais. Je suis un matinal, je n'aime pas beaucoup. Enfin, j'aime la nuit. J'aime la nuit de chez moi. Je ne suis pas un fêtard, je suis pas un sorteur, j'ai jamais beaucoup aimé ça. Moi, je me lève à 5h tous les matins. Oui, 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 vous me répondiez, Nicolas Desjardins m'avait envoyé un mail à 5h ou 6h du matin, je me disais, est-ce qu'il se couche ou est-ce qu'il non, se non, lève je me C'est lève. Toute la question. Je me lève, il m'arrive de sortir le soir quand même, mais rien ne me rend plus heureux que de me coucher tôt. Ce qui est rare chez les écrivains, non ? Ça dépend, il y en a du matin et d'autres du soir. Moi, je fais partie des gens du matin et pas mal de mes camarades sont des gens du matin. Il y en a même qui se lèvent plus tôt et qui se recouchent. Oui, j'ai envie d'un hélice, pouvait se lever à 5h du matin, mais bourré, quoi. Oui, voilà. Ce qui change un peu la donne. Ensuite, voilà, c'est différentes écoles. Et le moment où vraiment je ne peux pas écrire, je peux écrire éventuellement le soir s'il faut, même s'il n'y a pas de soir. Le moment, pour moi, de la non-écriture, c'est entre l'immédiate après-déjeuner jusqu'à 6h de l'après-midi, c'est le temps de la digestion. Oui. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est le temps de la sieste. Bon, il m'arrive de faire des siestes. On enregistre maintenant, d'ailleurs. Non, là, c'est l'heure où je peux me remettre à écrire. Ah oui, d'accord. Stanislas, tu avais une question, non ? Non. Antoine ? Oui, est-ce que vous avez imaginé le personnage de Sidonie Porel ? Oui. Je crois que c'était dans... La gloire des maudits. La gloire des maudits, c'est ça. Est-ce que c'est ce personnage qui est... Vous avez dit un croisement de Colette, de Simone de Beauvoir et d'Elsa Triolet, personnage assez négatif, plagiaire, menteuse, etc. Est-ce que c'est imaginer ce personnage qui vous a mené ensuite à vous intéresser à Marthe Richard ? Alors en fait, c'est effectivement en travaillant sur l'univers des années 50 et en l'occurrence de littérature, mais aussi des bordels, que j'ai vraiment rencontré Marthe Richard et que je me suis rendu compte de la complexité du personnage. Mais il n'y a pas de gémellité entre les deux caractères. Stanislas, on n'a plus beaucoup de temps. Finalement, est-ce que, pour paraphraser une jolie phrase qui est dans les Lyonnais, pour vous qui aimez l'andouillette, est-ce que la littérature ce serait pas un peu comme l'andouillette ? Faut que ça sente la merde, mais pas trop.
Oui, voilà, ça c'est alors. C'est une phrase qui a été attribuée à pas mal de gens. On a dit que Clémenceau l'avait dite, mais apparemment c'était Édouard Herriot. On dit que c'est Herriot qui était grand lyonnais et grand bouffeur. Oh, bah, si, moi j'aime pas ce qui est lisse. Moi je préfère ce qui dérange, ce qui est un peu ambigu, un petit peu crapoteux. En fait, j'aime bien cette fameuse phrase de Cocteau qui est un peu extrême et qui dit choquer c'est viser juste. Moi ça m'a toujours parlé. J'aime être dérangé quand je vois un film, quand je lis un livre. J'aime pas ce qui me laisse juste froid. À la limite, je préfère ne pas aimer plutôt que de rester juste indifférent. D'où Pasolini, d'où plein de choses, d'où Jean-Pierre Mocky, d'où Didier Super. Tout ça. On va finir sur un très beau passage de votre dictionnaire à mots de Paris, qui est un passage sur le regard. Vous nous montrez bien que voir n'est pas commun et que c'est bien la conquête de la vie. Et bien malin celui qui croit savoir regarder. Et vous nous montrez comment, avec le regard, notre monde qui est si gris d'apparence, si chiant, si ennuyeux, on s'emmerde, peut d'un coup devenir merveilleux. Et comment derrière la ville, derrière le monde de tous les jours, peut transparaître un monde rêvé, un monde extraordinaire, un monde fantastique, un monde intime. Et vous nous donnez presque un exercice pratique à faire, qu'on pourra faire, s'asseoir à la terrasse d'un café, éteindre toutes ces conneries, ces appareils, regarder les passants, regarder une vieille dame passer, se demander ce qu'elle a fait sous l'occupation, regarder... En fait, c'est moi qui rentre chez moi le soir, voilà, sous mon fichu. Regardez, voilà. Et tout d'un coup, les chats complotent, les ronds de cuir traversent le granit, il y a des rivières oubliées, des meurtres inavoués. Tout d'un coup, il se passe tout un univers merveilleux qui jaillit. Et on croit que notre ville est acquise, on croit que notre monde est acquis, alors qu'en fait, il ne vit que par notre regard. Une fois de plus, le décor, le contexte. Voilà. Il y a une interdépendance entre les lieux et ceux qui y vivent. C'est-à-dire que nous sommes notre décor et notre décor est nous. Voilà. Ouais, on avait croisé un jour un vampirologue, un type. On s'était baladé avec lui dans Paris et là on voyait que des Starbucks, des Margot, des McDo et tout. Il nous disait là il y a eu 4 meurtres, là 5 femmes ont été égorgées, là je vois du sang, là je sens des armes. Et c'est tout à fait vous en fait. Bah, imaginez Paris, on a 2000 ans de couche géologique historique sédimentée. Donc il y a forcément, nous vivons sur une armée de magnifiques cadavres. Donc profitons-en. En fait, Paris est une ville de fantômes et heureusement. Bah, très bien. Écoutez, Nicolas et Sermon, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour cette émission des Clochards Célestes de Radio Campus. Merci beaucoup, votre Altesse Stanislas Parvulescu. Je vous apprécie, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à tous. Je crois que dans 15 jours, nous recevrons Bénédicte Martin. Oh, elle est tout à fait délicieuse. Bonne... Ah bah formidable. Elle est charmante. Je ne la connaissais pas, donc j'avais un peu peur, mais bon, si elle est bien. Salut et fraternité.